À la requête du parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le mercredi 12 novembre 2014, vers 18h30, une tentative de vol à main armée a été commise dans une pharmacie située à Molenbeek-Saint-Jean, avenue Joseph Bach. Un individu sonne à la porte de l'officine et se fait ouvrir la porte. Une fois la porte ouverte, il se place de sorte à bloquer la fermeture automatique et laisse entrer ses quatre complices dans le commerce. Ils pénètrent en file indienne, armés et menaçants. Ils se rendent directement vers le comptoir d'un pas décidé, lorsqu'en une fois, les quatre malfrats sont pris de panique. Ils se jettent sur les côtés, puis détalent comme des lapins vers la sortie. C'est en réalité le chien de la pharmacienne qui a bien réalisé son travail de gardien. En voyant les autos arriver, il a bondi dans leur direction en les surprenant. Les braqueurs n'ont eu d'autre choix que de fuir bredouille. Les quatre auteurs portaient des vêtements foncés, deux d'entre eux étaient armés de pistolets noirs. L'auteur qui fait le guet est âgé de 25 à 30 ans. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon training Nike avec l'emblème d'un club de football sur la jambe droite, d'un sweat à capuche et des chaussures de sport. Le dernier auteur avait le visage dissimulé par un foulard et une capuche. Il a le nez prononcé et les sourcils foncés, épais et rapprochés. Si vous reconnaissez ces personnes ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 3300.